Bon, on va reprendre l'enquête pour Ascalon. Oh, mais j'ai de la route. J'ai beaucoup de route même. Attends, 750 points, on peut pas faire un truc. Attends, crafte tes médicaments d'abord, comme ça. Tu pourras soigner tous les gens que tu rencontres. Et pourquoi je récupère pas ma vie en plus? Permanganate de potassium. Ok, bah, j'aurais pu craft d'autres choses, mais je préfère économiser. Let's go. Je sais pas pourquoi je récupère pas ma vie par contre. On va parler vite fait tous les Wistiti qu'on rencontre. Tu sais, Splash, comment vas-tu? Alors, Splash, comme ça, on voit pas toutes les pages. Ça mérite un trahison disgrâce. Salut, vite. Névralgie. Ah, c'est vrai que Goodbye. je sais toujours pas guérir ça. Et toi, tu vas bien? Dire que c'est discret, j'essaierai de voir ça. Mais quand même. Je récupère pas ma vie. T'avais un format épisodique? Ah, moi je pensais c'est je balance un truc, puis je balançais une autre vague, genre. Si je balançais un par jour, j'avoue, j'aurais pu les mettre genre le samedi. Et tous les samedis, je balance une page, quoi. Et le bruit, comment il me stresse. Oh, un rat. I have this thirst for blood. J'ai passé le bon chemin. Ah non, refuge des verriers. Je suis jamais venu ici, je crois. J'ai beaucoup d'argent. Mais t'as même pas vu la photo de Ganyu que j'ai prise. Je suis allé chercher Ella Musk pour toi. Je sais pas si tu te rends compte, Splash. Je vais chercher Ella Musk pour toi. Ah, mais il y a un chemin là. Ah, ouais, non, ce jeu est tellement sombre que des fois je vois pas des choses évidentes. Oh, Perfusion, ça fait longtemps. Tu tombes sur le bon jeu. Tu vas bien, Perfusion? Ah, et aussi, mais là c'est ma faute, j'aurais dû préciser la partie balade à Mondstadt, c'est pas pareil que le prologue. Non, je l'ai compris après. Hello Ténérus, la forme, le petit va bien. Alors je dois faire mon enquête, j'ai pas beaucoup de vie, j'ai pas beaucoup de sang. Ouais, ça va tranquille, Perfusion. Le postman. Ouais, non, des fois j'ai dû trouver des photos. Je vais aller agresser quelqu'un pour me régénérer. Bah, il est mort. Merde. Par contre, lui, wow, il vise bien. Vous allez me voir mourir en direct. D'où ils sortent? Ça me rend pas beaucoup de vie. En gros, je dois enquêter. Mais comme vous voyez, les rues sont bien remplies.
ça va être le mien. Ils veulent pas me laisser tranquille, non? Attends, y a pas moyen d'en agresser un comme ça? Ah ouais, Sora, elle a une magie. Ah ouais, bien vu. Sera la majuscule. Donc là, je dois faire une enquête pour savoir d'où vient l'infection. GG Sora. Sora, la fanfic de Splash est disponible au fait. Mais ne la lis pas pendant le stream. Ah ouais, niveau 27, ça commence à devenir chaud patate. Hein. Ah ouais, wouah! Ok, deux coups, c'est réglé. Ok, on va éviter le conflit si on peut. C'est ça le problème, comme j'ai dû faire une sorte de speedrun pour attraper la sauvegarde avec le cannibale, épargner le cannibale et soigner de sa cannibalerie au lieu de le tuer, mon perso il est beaucoup moins fort. Eh, hey, salut Gyuk. Comment vas-tu, homme chicha? Moi je suis là et je dois aller à gauche. En vrai, j'ai qu'à faire demi-tour, non? Les articles de la semaine sont sortis. On dirait qu'ils se battent contre autre chose. Ouais, j'ai profité que le vampire il se bat avec l'humain pour me battre. Pas qu'une fois, mais de toute façon ça je te l'avais dit que j'en mettrais. Je mets toujours des liens internes Splash. Et après c'est moi l'Isro Splash, ok. Splash, méfie-toi, je peux te faire écrire ce que tu n'as pas écrit. C'est par là. Youpi, je crois qu'ici c'est la paix. Good evening, old chap. I won't lie to you, Johnny. I'm... Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. Aha, Mr. Bull de Gum Gup. Hugh, tu peux le savoir si tu suis la newsletter. I'm not alone. Have you shared your research with anybody else? No. Non, il faut demander à Splash. Je vais me laver les mains comme ça. Ok. Ça, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Il connaît tout. Tiens, j'ai une question pour vous. Si demain vous devenez un vampire, est-ce que vous l'auriez dit à votre meilleur ami? Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Please, gather all the information you can find about vampires and bring it to me. You're the only friend I have left. I need you. Comment va ta femme? Oh, la question. You need some rest. Ok. Qu'est-ce que je viens de lire là? Ah, c'est ma question sur les vampires. Oh mon dieu. Oh, j'ai eu peur. Oh seigneur. J'ai vraiment compris autre chose. Alors on dirait que je dois aller là. Mais je vois pas comment. Ah d'accord, je dois faire tout le détour.
Pourquoi? Attends, si demain t'as un pote qui est vampire, tu lui demanderais qu'il te croque pour devenir toi-même vampire? I need to find out what they're after. Enfin, celui de la Bible est plus dangereux, je suis désolé. Punaise, j'ai failli mourir. Fallait pas mettre le contexte, peut-être, la splash. Oh là là, j'ai failli mourir. J'attends que ma vie remonte petit à petit. Ouais, si tu veux pas devenir un vampire de Twilight. Ah ouais, y a un troisième mec au fond. Ils m'ont pas vu? Ah voilà, il m'a vu quand même, je me disais. Voilà. Je suis parti. J'attends que ma vie se régène et ensuite je vais tenter. Alors, encore 15 secondes. Oh, Ténérus, t'as changé? Ouah, non, le feu m'a arraché. Non, la différence de level est trop importante. Ténérus, le Spartacus. Non, je pense que tu prends du LSD, Splash. Attends, je suis où là? Oh non, et je dois tous les refaire. Pourquoi j'entends la porte mais y a personne devant? Ah, il est devant l'autre porte, je viens de comprendre. Voilà. Un peu de sang. Ça, c'est quand vous allez pas à la messe, c'est ce qui vous attend. Bon, on va tenter en mode à l'arrache. Faut que j'enlève celui qui a la feu, mais celui aux pompes aussi, il peut me tuer en deux coups. C'est ça le problème, c'est. Je me retrouve dans une run merdique à cause du. Ah merde, l'archer! Attends, attends, faut que je régène. Oh putain. Voilà. Oh putain, je suis presque mort. Une flèche et je me... Ah ouais, elle était prise en compte. Mais au fait, il y a un cooldown pour le changement de pseudo ou pas du tout?
En espérant qu'il n'y ait personne d'autre. Tous les 60 jours, une fois, et gratuitement? C'est sympa ça. Non, non, je veux pas changer de pseudo, moi, vous inquiétez pas. Oh punaise. Je sens que je vais me faire agresser. Oh, il y a tellement de choses à prendre. Échantillon de sang riche épais, ça a aidé à guérir une nouvelle maladie. Oh, j'ai pas vu. Ouais, mais peut-être que le tueur, il est pas loin. Bon, je sens que je vais enchaîner les game over, hein, je vous préviens. Ouais, non, il est vraiment pas loin. À toute Ténérus. Oh, une autre victime. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Bon, je sais que je suis un peu vieux ou un peu jeune, ça dépend l'âge que vous avez, mais les films Blade et Wesley Snipes, je vous les conseille vraiment. Attends, pourquoi j'ai sorti mon arme? Quelqu'un? This one's neck is broken. He was young. Probably the... T'as un Ponyta shiny? Ouais, mais est-ce que t'as attrapé un shiny Splash Noodle? Genre il est bleu et tout. GG Sora, en plus tu peux l'utiliser comme monture, non? Oh oh! On va loot d'abord avant de mourir. Les films Blade sont géniaux. Eh hey, Sora, tape là. Ça c'est bien Sora. Là je te reconnais, Klee. Ok, je peux pas l'agresser donc il va y avoir une discussion, j'imagine. Putain, les cheveux! Merde! Oh mon dieu. Putain, je l'ai touché sans gants, c'est sûr, j'ai la peste maintenant. You killed your family. They mocked my talent. Oh oh. Wouah, ça me vomit dessus carrément. Ah non, elle est abominable, elle est pas moche. Elle est dégui. Oh le vomi, oh le vomi. Oh le vomi, il m'a arraché. Non non, mais là c'est... Elle a mangé, c'est sûr, elle a mangé une pizza hawaïenne. Mais je sais pas, en fait, si elle me touche, c'est fini, quoi. Non, non, Sora, il te disait de pas te faire évoluer le... De pas te faire évoluer Splash Noodle. C'est Splash qui doit pas évoluer. Ne l'oublie pas, Sora. Un Splash qui évolue, c'est un monde... qui n'est plus. Ah ça va, je dois pas relooter, non, c'était juste un truc que j'avais oublié. Faut la battre, t'es gentil. Par contre, je sais pas comment je vais faire avec le vomi. Parce que je suis pas quelqu'un à distance. Déjà, on va essayer de la regarder. Non, quand il passe en bleu, c'est qu'il est shiny. Ok, le vomi. Voilà. Ah bah, on va utiliser le pilier. Voilà, vomi.
Voilà. Oh putain, non, je me suis mangé le vomi. Qu'est-ce que je suis censé faire? Elle me dégoûte, je te rassure que moi aussi. C'est quoi ça? Putain, mais le vomi s'arrête jamais. Oh, je l'ai tué, mais je vais mourir. Ah non, mes vêtements! J'en ai partout! Protection du poteau. Ah, mais grave. Mais regarde, son vomi, il part pas! C'est de l'acide, c'est un alien ça! Cher Elsa, blablabla, Doris Fletcher, ah oui! This girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. En plus, son corps, il a disparu. Alors, il y a une touche pour marcher dans le jeu. Des fois, je l'active, et après, je sais plus comment désactiver. Oh, de la binous. Splash, au fait, ça se passe dans Dry... février. J'allais dire February, mais je sais que vous allez me casser les couilles avec mon accent de l'anglais. Coucou, Sandwich. Ah, c'est-à-dire on n'aura pas Chris ce soir. Sandwich, Chris, il était triste. Il a dit, ouais, non, j'ai pas vu le petit Sandwich depuis un moment. Qu'est-ce qui me manque et tout. Sandwich, il y a la fanfiction de Signora par Splash Noodle qui est disponible sur le site. Il y a 5 pages. Ça se passe bien. C'est bien, Splash. T'as fait au moins un tiers ou plus. Waouh! Bah écoute, j'allais bien. Je dis pas ça parce que t'es venu, mais je me suis pris deux coups de croix, il m'a calmé. Non, non, il faut que j'aille rompiche et j'augmente des stats, là. Attends, tu remarques le pseudo Aguk, mais tu remarques pas le pseudo de Splash Noodle? Tu as loupé une session de Shisha hier, ça. Le Gundam Shisha. Non, mais sinon, on est connecté. Chaque fois que je m'apprête à dire que la fake... Bah alors, je le dis plus, Splash, voilà, je boot. C'est un shiny splash. Ok, je suis sorti, je dois repasser par là, mais je vais me faire casser la gueule, mais j'ai toute ma vie. Non mais je rigole Splash, je boot pas pour de vrai. Voilà, comme ça, toi tu meurs. Sora, bienvenue parmi les vieux, 23 ans, et je veux dire entre FF25 qui a... FF25 putain, FF7 qui a 25 ans, lui qui a 23. On est vieux en vrai, hein. On fait référence à des jeux qui sont vieux, on s'en rend pas compte. Alors est-ce que je vais au truc d'Ascalon? Ou est-ce que j'essaie... Attends, j'habite pas par là moi? Si, je crois que c'est chez moi ça. FF13, ah non, si FF13 il avait 23 ans, je me serais tiré une balle. Merde, il faut que je retrouve ma chambre. Je pense que ça doit être à l'étage. T'es repassé en rouge, c'est bien. Ça c'est la mère du héros. Des fois ça m'intrigue, parce que je me dis avec la sœur, je sais pas, est-ce que la mère elle serait morte? Ah, je peux pas dormir chez moi? Ah voilà, quand même, je me disais bien. On va fabriquer 2-3 trucs. Ok, ça c'est une nouvelle seringue. C'est pas... Attends, je vais faire des médocs vite. Peut pas. Allez hop, ça rompiche. Attends, voilà. Mon petit lit, sans couverture. Je vais me geler. Qu'est-ce que je peux améliorer? Mon ulti? 3000 points, non, j'en ai 1900.
Ma régénération de vie? Ouais, je suis que niveau 2. Ouais, non, non, la régénération de vie, il faut améliorer ça, là. Ok, comme ça me rendra beaucoup plus de vie. Endurance, non. Peut-être la soif de sang. J'aurais peut-être dû faire ça en vrai. Oh bah tiens. Comme ça, je prends plus de sang sur les ennemis. Et voilà. Et ça rompiche, les amis. Le jeu de la sieste. Sandwich, tu racontes quoi de beau? Merde, est-ce qu'on a perdu perfusion au passage? Ah ouais, là-bas ils sont vraiment malades. Faut vraiment que je fasse et je donne plein de médocs. Ah, j'aurais peut-être faire ça pour gagner de l'XP. Y'a quelqu'un? Attends, ça m'a parlé ici là? Rien de spécial aussi, je... Si, les articles qui tournent... Si, on m'a ambiancé là pour que je fasse l'autre jeu là qui coûte entre 13 et 19 euros. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête c'est Cupcake. Non, Cupcake c'est le nom d'un gâteau. Oh putain, la vieille qui fait du bruit. Perdre perfusion sur un jeu où tu prends le sang, faut le faire. Ah mais clairement. Carrément, perdre perfusion, c'est... Quelle tristesse. Oh putain, d'où ça sort ça? Ta mère va mieux, Sandwich, ou non? Ok, bon, on va aller voir le club Ascalon, je pense. Quoique, Whitechapel, c'est pas si loin, en vrai. Attendez, je vais faire un petit détour. Je vais jouer au médecin, un peu. Faut juste que je trouve la bonne direction. Je crois que c'est par là, tout simplement. Ouais. Ensuite, je prends à droite. Je me démerde dans le dédale. Let's go. Ah, c'est par la porte, là. Mais ça, je sais toujours pas le soigner, ça. Good evening. Saloperie de pauvre. Good evening, miss. Actually, then you have... oh. Ok, blabli, blablou, blablou. Ah, voilà, de la bronchite. Ça, ça se guérit, ça. Et voilà. Je suis dealer de drogue. Oh, je l'avais pas vu, lui. Bah, c'est le mec auquel j'ai parlé, ok. Au fait, j'hésite à vous stream un jeu, mais j'ai que la démo. C'est j'ai fait un article. Attends, comment ça j'ai pas le médoc? J'ai pas de médoc pour le rhume? Ah si, ok. Et c'est Diplomacy is not an option. En gros, je dois résister avec à des vagues ennemies, quoi. Avec mon royaume que je dois étendre et tout, et c'est pas mal. Encore Amélie Nothomb. Je vais avoir des problèmes avec elle là. Déjà sur YouTube, il y a des gens qui regardent mes vidéos en la cherchant, donc je... Un jour, elle va découvrir ce que j'ai dit sur elle, et je vais être dans la merde. En tout cas, elle a eu un prix littéraire. Non, elle est en bonne santé, ok. Pourquoi je vois du sang? Elle a tué un mec ou quoi? Tiens. Donc si je l'avais buté, j'aurais pu ouvrir le coffre. Ok. Alors, Binding of Isaac under the
Cuphead. Je connais Hades, je connais Cuphead, enfin je connais Binding of Isaac, je connais les trois que t'as dit, mais le quatrième, Hunter the Gungan, je connais pas. Je sais de me racheter. Non, non, elle a vraiment eu un prix. Elle a eu un prix littéraire, mais je sais plus lequel. Parce que j'avais dit à Little Assa de taffer dessus pour son devoir. It's locked, all right. Ah ouais, non, j'ai tellement rush que j'ai mal fouillé en vrai. J'ai tellement de quêtes aussi. Mon anglais, il est Gungeon. Oh, un chargement. Il est l'heure. Tu pars déjà, Splash ? Splash, il a dit par contre, il est l'heure, je me mange un chargement. Coïncidence ? Sarah ! Sarah, je crois, elle regarde Snow Piercer. Je fais un top 10 sur cette série au passage. I don't quite agree, but I won't argue with you. Please take this. You'll feel better. Really? Free? Don't take it personally, but charity usually comes at a price. Human nature being what it is. Goodbye for now, Mr. Lewis. Ah tiens, Chris. Faut que je sois une Chris. Can I offer you? Keep you. There is a. Goodbye, Mr. Peterson. He judges your words and actions. Good evening. It's... Don't you. Faith gives me all. Oh, ça a vraiment marché! Coucou ça! Comment t'as fait, Splash? No doubt. Ah, c'est parce que Sora elle l'a fait alors, c'est pour ça. C'est un succès d'archimage. Non, je veux pas me battre, mais tant pis. Alors, est-ce que ça va marcher ou je me mange le coup? Non, ça marche. T'as mis tout ton cœur. Pour moi-même, Splash Noodle a un cœur. Je rigole, Splash. Attendez, là. Oh putain! Je cherchais un poète, mais c'était pas lui que je cherchais. Et toi, ça va, Sarah? Sarah, il était bien l'épisode de Snow Peepy? Elle est où la vieille? C'est pas la vieille, ça, non. Tant pis. Le hérisson garou surprise. Non, ils sont tout le temps surprise ici. Bon, il est où le poète, là? J'ai un poète, il aime bien faire l'écrivain dans le coin. Ah, le voilà. Attends, est-ce que j'ai détruit deux tombes? Ah, j'ai pas fait exprès. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my goods. Ok, ciao, sandwich. Bonne nuit, bonne soirée. Tiens, j'ai jamais parlé, elle. Good evening. I'm. Ouais. Hello. C'est vrai, elle est muette. I'm. Very well. Guk, il a encore changé de couleur. Ok, je pense que j'ai fait assez de médecine pour aujourd'hui. On va aller voir le club Ascalon. Ah,
Alors, c'est intéressant parce que lui, il est journaliste, il est fatigué. L'autre femme, elle est prostituée, elle est fatiguée aussi. Et ils étaient tous les deux côte à côte. Tu t'ennuies à attendre Lost Ark? Quoi? Mais tu y joues pas depuis le 8? Je crois que c'est le 8 et le 11, c'est gratuit, un truc comme ça, non? Non, je remarque juste, quoi. Les deux, ils sont fatigués, c'était côte à côte. D'ailleurs, détective Sin, grave. Ah, il est en maintenance parce qu'ils le mettent. Ah, d'accord. Là, tiens. Voilà des médocs. Voilà, j'ai fait mes bonnes actions, ça m'a donné l'XP et le quartier sera plus calme comme ça. Bon, maintenant je retourne au club Ascalon, je pense, et je leur dis ce que j'ai trouvé, je crois. Match mardi. Ok, ça me gênera pas pour le stream. Ouais, non, la névralgie, je sais toujours pas soigner ça. Moi, je suis pressé, hein. Franchement, le jeu en plus, j'y ai jamais joué, donc je suis... Je kiffais Dragoon. Non, franchement, j'avais bien aimé Dragoon, hein, moi. Mais j'étais vraiment pressé par rapport à Rogue Galaxy, quoi. Franchement, dans le jeu, il y a un défaut dans le jeu de Vampire, c'est qu'il n'y a pas de minimap. Je suis obligé à chaque fois de remettre la carte et je suis désolé. Hein. Mais j'ai pas de minimap et c'est ultra chiant, ils auraient pu mettre une minimap, je sais pas moi, en bas à gauche par exemple. À partir d'aujourd'hui, tu piques la couleur de quelqu'un? Bah écoute, tant que tu ne suces le sang de personne, tu peux faire ce que tu veux. Je vous ai pas entendu pour Rogue Galaxy dans le chat. Duke, tu veux pas voler la couleur à perfusion? Il est bizarre lui. Welcome to the Ascalon. En plus, on avait personne en orange, donc je sais pas à qui l'a volé cette couleur. J'ai pas fait gaffe pour RG, tu disais quoi? Je sais, je vais me noyer. Mon côté, Splash, c'est que je vais tout le temps te noyer, donc je disais, est-ce que demain vous êtes chaud pour Rogue Galaxy? Voilà. Et je disais que moi j'étais chaud, que justement j'y avais pas joué et blablabla. How is your investigation going, Dr. Reed? Time is our enemy. I have a few questions for your lordship. All right, but be quick. You made me swear on the blood of William Marshall. William Marshall. Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He... William Marshall was a vampire. Is this some sort of joke? Ah, c'est peut-être lui qui m'a mordu. Ah non, non, c'était ses enfants. Et peut-être il est mort. That would be joyful news. For it would mean he still walks among us. Ok, interrogé, mais pourquoi ça me dit de revenir ici? C'est ça que je comprends pas. Ah, où je dois interroger autour du quartier? Mais pas dedans? Ok, excusez-moi, on ressort. Sarah! Sarah a Gyu qu'il est en orange parce qu'il allait à Sephora. Donc je dois interroger des gens dans le périmètre. En fait, je pourrais faire le ménage. Ouais, non, je te jure, il y a eu un massacre.
Bon, elle, c'est les droits des femmes, là. C'est la fille de la rousse, là. T'as pas compris? Je laisse Sarah Chan expliquer. Une odeur infecte? C'est pas là où je suis allé, pardon? Ah, mais c'est là où je suis allé. Elle a tué sa famille. Pourquoi ils font quoi, Sora? Sora, si tu veux, on peut venir. Et on leur fait. Et on leur crie dessus. On leur crie ça! Ils vont pas comprendre pourquoi on crie ça. Ah, c'est encore lui? Non, mais lui, j'ai déjà parlé. Il court! Un adulte ou un enfant? Il court! Ah, ça se trouve, il est en train de se faire courser par un vampire, Sora, on sait pas. Ah, il bouge les meubles. Il est quelle heure, là? 22h? Non, non, c'est littéralement sa fille. Mais comme elle est immortelle, elle a eu je sais pas quoi, en fait. Et c'est ça qui m'intrigue, parce que sa fille n'a pas l'air d'être vampire, en fait. Je vais t'expliquer pourquoi. En gros, tu vois, vous voyez le 5? Il y a en bande santé, et à côté, vous voyez 5. Il faut que je sois au niveau 5 pour la charmer. Et en gros, ça me propose pas le charme sur les vampires. Je peux pas charmer un autre vampire. Donc, c'est ça qui m'intrigue, c'est que Ashbury, elle a vécu pendant des centaines d'années et elle a eu elle comme fille. Le problème, c'est que, je sais pas ce qu'il perd. J'imagine que c'est un humain, je peux me tromper. Et de deux, elle a l'air d'être humaine en fait. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire la mère est vampire, mais la fille est humaine. J'aurais pensé que justement, étant vampire, tu accouches d'un vampire, mais je... Enfin bref, je vais un peu trop loin. Ah ouais, ils disent quoi, Sora? Fille adoptive? Ah, j'ai pas pensé à la fille adoptive en vrai. T'as raison, maintenant que tu me fais penser, elle est plus sombre. Attends, on va lui poser des questions personnelles. C'est vrai qu'elle est plus foncée que la rousse. La rousse, c'est vrai qu'elle est vachement claire. Question personnelle, voilà le plan. Allez, petite enquête. Refus de votre mère de vous transformer en vampire. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us. C'est toi le Romo Splash. And have accepted everything from her, even that she named me Charlotte when it was not. C'est pas son prénom. Ah bah je pense que c'est une adoption. Whoever I was when I was born. C'est une adoption, bien vu. Now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? Détective Sarah, franchement Sarah, bien joué. Beau boulot Sarah. Sarah, t'as fait du bon boulot. Ça c'est du boulot de bon flic, ça Sarah. She's been quite busy these last few nights. Sarah Holmes ou Sarah Watson, comme tu veux. Ah, je l'ai pas interrogé celui-là là. Il y a un magasin là. Il vend de la porcelaine. Merci chef. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? I'm investigating the source of the epidemic in this district. Ouais, non, faut contacter Sarah. Vous avez des questions et tout. Wait. Sarah, qu'est-ce qu'ils racontent tes voisins? Tu les entends, mais genre ils parlent de quoi? Est-ce que tu entends quelqu'un qui est en train de vomir partout? Oh merde, je crois que j'ai fait bugger le jeu. Ils s'engolent? Ah non, la quête a évolué.
Non, ah mince, parce que je la regarde. Ok, c'est par ici. Non. Faut que je prenne le petit chemin par là. Wait, what? Pourquoi vomir? Non, je disais ça à Sarah, parce que je me suis battu contre un boss, et ce boss, il arrêtait pas de vomir. Et en gros, je disais à Sora, ça se trouve, ses voisins, c'est des vampires. Ok, je vais me faire casser la gueule. Comment je passe? Putain, par contre, c'est vachement investi. Ok. Donc, je dois faire le tour. Oh putain, je vais avoir plein de combats. Adieu, les amis. Voilà. Sora, est-ce que tes voisins ils font le même cri? Attends, c'est pas là où je me fais agresser par un Erisugaru? Non, mais je te jure, il y a des portails partout. Genre, mon perso, il peut pas passer à travers ou j'en sais rien. Merde, elle m'a vu. Le hérisson, il est là. Non, pas de cri similaire. J'allais dire dommage, mais tant mieux, non? Tant mieux, tant mieux. Voilà, bonne nuit. Fini la délinquance nocturne. Et encore un feu d'artifice? What the fuck? Eh franchement, Sora, courage. Mais c'est un vrai courage qui vient du cœur, c'est pas un courage de streamer, genre... qui va vous demander un abonnement ou autre. Franchement, courage. Parce qu'il y a rien de pire que d'avoir des mauvais voisins, quoi. Non, je suis allé trop loin en arrière. Bon, on va en profiter pour tout loot, hein. Ils sont morts, hein. D'ailleurs, courage, hein, et abonne-toi. Non, oh, ah, fin des fêtes du Nouvel An chinois. Ouais, mais ça date, non? L'année du tigre, ça fait un moment, là. Il n'y a rien d'autre à prendre. Courage et abonne-toi. Ah, tu sais quoi? Vu que je vais mettre ça sous la description de cette vidéo YouTube, je pense. Oh merde, il y a plein de femmes vomies là. Regardez-moi ça! C'est pour ça que je disais le vomi. Regarde ma vie, Sarah. Non, non, et voilà, ma vie, elle a trop baissé. Flemme d'aller voir, je suis dans mon lit. Sora, est-ce que tu songes à te radicaliser et à éliminer tes voisins? Non, non, mais le vomi, je sais pas, même en mangeant de l'harissa et de la wasabi, tu peux pas faire ça avec ton vomi. Attends, j'ai pop sur l'ennemi. Merde, y'a le vomi. Non, non, non. Hop là. Oh non, non, mais le vomi, c'est vraiment... c'est trop. Ah, y'en a une autre en haut. Ah bah écoute, je vais pas déraser. Ouah! Je m'attendais pas à ce qu'ils viennent. Ça a vomi après avoir bu du coca. Sora, si jamais on peut tous témoigner que tu étais sur stream. Ouais, grave. Non, Sora, tu sais ce que tu fais? Invite-nous un jour, on vient tous. Et on témoignera tous que non, non, t'étais bien avec nous et on faisait la fête et que c'est pas toi qui as éliminé tes voisins, t'inquiète. Sauf Guk parce que Guk c'est une balance. Tu qui m'as vendu pour le Gundam Shisha hier, j'ai pas oublié. Bon, tant pis, l'autre elle va. Ah, c'est bruyant. Je dois aller où moi? Ah, j'y suis. Oh
Rencontre avec tes followers à l'hôtel de Sora. Comment organiser ça? Un hôtel 5 étoiles, vraiment, Splash. Je vais tellement tousser. Je vais vous offrir un verre d'eau et on va tous rentrer chez soi. Avoue-le, avoue que tu m'as trompé. What? Tais-toi, femme! Menteur, lâche, c'est toi qui nous a infligé ça. Oh putain, les deux, j'espère qu'ils sont pas vampires. C'est toi qui as infecté notre famille. Moi, je voulais quitter la maison. Je vais devoir me battre contre un couple. Tu voulais me laisser seul pour aller avec ta... Bip, ça aurait été bien pratique. Hein. Elle m'a piégé, je t'aime. Sale porc pathétique. Oh un, gueux, oh, un fusil à pompe violet. Oh, oh qu'est-ce que c'est beau. Non, non, je devrais garder la batte. Mais le fusil à pompe violet. Ah non, une fille vient de hurler. En plus, c'est mon anniversaire. Quelqu'un lui a répondu. Ta gueule. Merde, pardon, je répète. Mais... Sora, est-ce que ce que j'ai lu là? Eh, attends! Attends, attends! Sora, t'es là en fait! J'avoue! Attends, Sora, est-ce que y a les mêmes insultes? Oh non! Je suis mort! Attends, attends! Sora, t'habites à Londres? Sora, est-ce que. Oh, je suis cuit! Sora, est-ce que genre, y a une meuf, elle a traité quelqu'un de sale porc pathétique, ou quelqu'un a dit, tais-toi, femme. J'avoue que la ressemblance... Non, mais c'est pas possible. Je suis chez Sora. Sora, t'es en dessous, là. Oh, je suis cuit. Oh, je suis... Eh ben, Sora, attends, je vais aller éliminer tes voisins pour toi. Sora, par contre, si j'élimine les voisins dans le jeu, et dans la réalité, tes voisins, ils se taisent, je meurs. Avoue-le, avoue que tu m'as trompé. Menteur, lâche, c'est toi qui nous a infligé ça. Comment on marche ton jeu? Voilà. Oh, ils ont des sales gueules. Attends, ils savent que je suis là? Ah non, il y a deux barres de vie. Y'a pas moyen d'en aggro un et mais pas deux? Je dois me battre contre les deux. Hop là, si je fais ça, l'autre elle comprend. Ouais, adieu les amis. Ah ça y est, je suis allé dans le vomi. Non, vas-y, vomi, vomi, vomi. Putain, elle pète partout. Sora, c'est ça les meubles que t'entends bouger à mon avis. C'est moi qui est en train de me battre. Je suis mort. Ils étaient en train de s'embrouiller, ils ont décidé de me tuer à deux. Non, non, non. Il faut que tu te régènes. Bouffe le sang de l'autre. Idiot. Sora, tes problèmes de tapage nocturne, là, je m'y occupe. Elle pète partout. Mais oui, là, tu vois pas ces pèches jaunes, là? C'est doux. Hop là, elle a lâché une caisse. Non, non, mais c'est sûr, je vais tomber dans ses pelles. Non, 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 sors du paix. Et voilà, je suis... Merde, j'ai un petit médoc, je crois, voilà. Vous allez arrêter de réveiller Sora, bordel de merde. En vrai, Splash, je crois que t'as raison. Oh putain, elle m'a lâché une dernière caisse pour la route. Mais en vrai, Splash, je crois que t'as raison. C'est dans les moments d'adversité. Genre, par exemple, s'il m'avait tué, je crois qu'ils se seraient remis ensemble. Ils auraient fait bon... Putain, j'ai réussi, merde. Sora, alors, ça s'est calmé avec tes voisins? Mon chéri. Ah, c'est encore Doris, d'accord. Donc Doris, elle a infecté la folle de tout à l'heure, elle a infecté lui parce qu'il a trompé sa femme. En fait, c'est Doris qui a infecté tout le quartier, quoi. So the husband had an affair with Doris Fletcher.
qu'on la trouve. Elle est où Doris? On peut pas sortir. Bah non, c'est trop beau. Alors Sora, c'était une voisine qui s'appelle Doris ou comme ça. Ils s'engueulent plus. Ils s'engueulent plus, mais toujours leur télé à fond. Ah putain, ouais, Doris c'est une MST. Sora, je crois que je les ai tués et j'ai oublié d'éteindre la télé en partant. Je suis désolé. A mon avis, Sora, je pense qu'ils s'engueulent, mais ils ont mis la télé à fond pour que les gens entendent pas qu'ils s'engueulent. Je sais pas si ma phrase est très française, mais j'espère que vous m'avez compris. Attends, est-ce que je peux ouvrir le portail ou non? Donc, à gauche, une quête. Mais il y a quelqu'un... Non, 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 parce que je crois qu'ils sont plus que deux. Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait qu'on fête son anniv et l'autre, elle lui a dit tais-toi. Sarah, elle a lu la bêtise de Gyuk. C'est pour ça qu'il y a eu un au purée moment. Chica, chica, sur le sofa. Il n'y a plus de soucis après. Ok. On peut avoir un deuxième au purée moment avec ce que t'as écrit, Splash. Oh putain, Splash. Ouais, non, là, à mon avis, le au purée moment, il va revenir. Là, j'ai une quête, mais je sais pas c'est quoi. Je dois aller sauver quelqu'un ou quoi? Mais cela ne nous regarde pas. Non, c'est la mère de l'autre. Elle a une quête pour moi, je vais aller la voir vite fait. Splash va être inspiré pour une fanfic là. Je te jure, en plus, je crois, page 3 ou comme ça, à un moment, il y a Signora et son petit ami qui s'embrasse et tout. J'ai fait, ah ouais, dis donc, Splash, il est vachement bien inspiré. Non, oh, non, laissez Sora tranquille. Attends, je suis revenu chez la dame, mais je suis en train de jouer au pickpocket. Elle est où la quête là? Good evening, Jonathan. Sur les blobbies de Genshin qui font des mini flops. Of course. I haven't scales coming. I believe these families are. Ce sont deux adultes et deux enfants dans l'appart. Great news. Goodbye. Goodbye. J'habite dans le nord. Putain. Non, mais à mon avis, Sora, je pense que c'est l'un des enfants qui voulait faire un... Ah, plus de bruit. Ah, c'est peut-être le délai entre le stream et la réalité. Bah, à mon avis, c'était l'anniversaire de l'un des enfants. Les parents, ils se sont embrouillés. L'enfant, il a dit, mon anif. Ils lui ont dit, ta gueule. Les blobis, ils font... Blablabla. Ah bon. Alors, Doris, c'est en face. Mais est-ce que je vais rompiche un coup? Je pense que je vais aller rempicher un coup pour gagner 1900 d'XP parce que je sens que Doris ça va être un boss aussi. Ok, ok. Non, regardez, ma batte à level équivalent, elle fait trop mal. Je fais pas ton anif en tous les points en plus. Ça doit être abominable ça. Ah Sora, franchement, courage. Abonne-toi. Non, je rigole, mais courage, franchement, Sora. Ok, je dois les éliminer pour aller au refuge. Wouah, ça le tue en un coup. Putain, ah, ok. Elle est superbe, la batte, en vrai. Quelqu'un qui casse une porte, là. C'est quoi, je suis pas obligé de m'embrouiller, je peux me téléporter au refuge au-dessus. Pourquoi je peux pas y aller? Ok. Oh putain.
on est d'accord là. Lui, il me fait du gaz moutarde. C'est-à-dire, tout à l'heure, elle pétait du gaz moutarde vu que c'est la même couleur. Ah non, c'est moche. C'est ultra moche parce que de 1, ça gâche la nif, mais de 2, tu sais, ça doit pas être simple. Tes parents ils s'embrouillent et toi tu veux faire ton anif quoi. C'est pas un bon mood quoi. J'aimerais bien tester le fusil à pompe, mais dans une autre vie. Augmenter les perfusions, je pense. 1500, let's go. Encore plus de heal. Voilà, parce que je mors souvent, donc au moins mes morsures vont être payantes. Non, la voix était plus mature que celle d'un enfant. Eh hey, bordel, c'était mon anniv, un truc comme ça. Bon là, ça doit... Voilà, j'ai guéri du monde ici quand même. Regarde-moi ça, hop là. Voilà, bon, grave, on peut passer à stable. Voilà. Pas satisfaisant. Bon, c'est rien. Non, ça sent pas le... Après, c'est un gamin qui voulait le dernier iPhone 13 Pro Max alors que les finances suivent pas et qu'il fait la gueule. Parce qu'il a reçu une paire de chaussettes. Normal que sa gueule. Bon, une paire de chaussettes, c'est un peu abusé. Mais aussi les gosses qui demandent des iPhone 13 alors que leurs parents, c'est pas la forme. Il faut pas qu'ils forcent aussi. On est où, là? Hein, je vous le demande, ma petite dame. Je suis mort quand même, c'est-à-dire je suis allé casser la gueule des voisins à Sora. Bah Sora, franchement, dis-moi, ça a des soucis avec tes voisins, je relance une partie de vampire et je règle ça. Mais c'est pas possible, chaque jour il me fait le... Il arrive avec sa batte. Splash, elle va bien, maman Splash? Allez, viens. Ninja. On est où là, voyons? T'as vu ça, Sarah? Je fais un Sarah comme ça. Non, je dois pas passer par là, je dois passer par là. Mais y'a pas, attendez. Attendez un instant, je suis là, mais... Y'a pas minimap quelque part? Non. Ah, je sais pas, je suis étonné, quoi. Oh là là, tu m'as écrit un gros truc, toi. Les histoires où les gamins, comme ils savaient pas exactement ce qu'ils voulaient, bousillaient le cadeau derrière pour essayer d'avoir ce qu'ils voulaient. Mais comment t'as ce que tu veux en bousillant le cadeau? Parce que moi, je sais pas, hein, mes parents, s'ils m'offrent un cadeau et je bousille le cadeau, moi aussi je vais te bousiller après. Oh, ils abusent. Non, mais ça aussi, c'est les States. Les States, franchement. Le seul truc positif, à part peut-être des fois les followers qui viennent de là-bas et qui me disent que j'ai une belle voix, je sais pas ce que c'est. La même, tes parents une bousille, Q, que tu voulais dire? Non, je sais pas, moi demain, genre mes parents me font un cadeau et je le bousille parce que, oh, j'ai pas... Oh putain, oh la raclée que j'aurais pris. Oh! Ah, je sais, c'est pas genre une petite raclée. Hein. Oh là là, on m'aurait appris l'humilité. On va dire ça comme ça. Mais en vrai, les US, c'est vraiment pas un pays où j'aimerais... Bah franchement, déjà pour ton espérance de vie, je pense pas que c'est bien. Oh, ils se battent avec un vampire, je les laisse. Quoique, ça fait de l'Xperatos. Ouais, non, flemme. Non, allez, essaye, s'il y a trop de trucs. T'as pas de sécurité sociale, tu peux te manger une balle pour rien. La libre circulation des armes à feu, je vais te choquer, je suis pas forcément contre. Le problème c'est que là-bas, je veux pas dire ils sont idiots, parce que sinon après Twitch ils vont me punir.
Mais là-bas, c'est vraiment pas un bon choix. Oh, tu aimes quand tu te dis il y a deux Disneyland aux USA. Il y en a au Japon aussi, si tu veux. Après, j'avoue, ouais, non. Sarah, tu fais comment si tu viens là-bas et après, tu sais, il y a une fusillade quand t'es en plein Disneyland. Ah non, j'avoue, les Karen, elles vont être là. Sarah, quand tu vas faire la queue là pour le Space Mountain et ensuite ils vont te dire mais c'est moi que vous fixez, ils vont appeler la police. Il m'offre un truc que je posais derrière, le dernier quart d'heure que j'aurais reçu, ça aurait été un dessin vers la paix. Oh le chocobo. Oh, je vois bien ça sur ta tombe, genre. Alors je dois aller là, mais c'est fermé. Bien sûr, j'ai des griffes, mais je peux pas péter les murs. Je peux pas. Non, oh, c'est quoi ça? J'ai essayé de faire le tour. Hein. Ils savent pas se garer. Mais là, on dirait que je pars. Tu te réfugies. Pourquoi tu te réfugies? Quand si tu rencontres une Karen dans la file d'attente d'une attraction à Disneyland, tu te réfugies. Comment je suis censé rentrer là-dedans? Trouver un accès. Je pense pas que c'est. Non, peut-être qu'on a une version vraiment négative aussi des États-Unis d'Amérique, mais il y a quand même une part de vérité, non? Genre pour moi, les États-Unis d'Amérique, c'est pas l'Europe. Autant le Canada. D'accord, c'est pas en Europe, vous m'avez compris. Je veux dire, autant le Canada, je serais serein. Autant les States, non, j'aurais grave chaud ça. Par contre, la libre circulation des armes, c'était prouvé que ça augmentait les taux de criminalité en plus. Je crois que en Australie, vous avez le même système à partir du moment où ils ont commencé à réguler la criminalité, ça a chuté drastiquement. D'accord. Non, non, mais eux, je veux dire, ils sont pas futés. Par exemple, la libre circulation aussi en Suisse. Et bon, t'as pas. J'entends pas tous les 15 jours des tueries en Suisse, quoi. Après, j'imagine ça doit jouer, mais je veux dire, eux aussi, c'est par rapport à comment ils sont, je veux dire. Eux, même s'il n'y avait pas d'armes à feu, il y aurait beaucoup de trucs chelous. Je peux me tromper après, hein. Je pense que par là, je dois accéder à l'arrière du truc. Ça pue le boss, hein. Je vais rentrer dans un théâtre, ça pue même le donjon. Oh oh. L'Australie, je pense que j'y mettrai pas les pieds, mais pour les insectes. Tout ce qui est araignée, scorpion, chauve-souris, j'en sais rien. Non, mais même, après tu marques un point, je pense pas que tu puisses acheter des armes de guerre. Tu peux acheter des armes à feu, mais c'est sûr que c'est pas genre... C'est comme quand ils sont en train de s'embrouiller, il y a les conflits ethniques aux États-Unis. C'est sûr que bon, quand t'as des hommes blancs et des hommes noirs avec des AK ou des fusils automatiques, ouais non... Il suffit qu'il y en a un qui fasse le con, ça part en cacao général. Alors c'est elle qui a... une grande reine. Mais après là-bas, t'as la NRA, je crois, National Rifle Association, un truc comme ça. Et ça joue beaucoup aussi, sur les lois et tout. Pardon pour les romans. On n'entend plus Sora. Sora, tu vas bien? Je lui ai mis des armes. Mais c'est pas possible, ils vont tous me lâcher des casques amicaces comme ça? Là même, des araignées plus grosses que ma cuisse. Ouais, non, c'est mort, ça c'est des bails. Tu vois, j'ai vu, ils avaient une araignée de malade, mais hey, j'aurais brûlé ma maison et je serais parti. Alors j'imagine que le boss est là. Mais je ne la vois pas.
when you burn and die. And be queen again. Je l'entends, mais je la vois pas. Ah, elle est sur scène, tout simplement. D'accord. Si Sora dit Dotoko, c'est que tout va bien. Bah non, non, c'est plus elle va les exploser, non? Moi, c'est ce que je comprends. Bon, bah on va s'infiltrer. C'est un journal intime. Elle a vu la sorcière de son enfance. Ah, et c'est la sorcière de son enfance qui l'a infectée. C'était sa mère? Vous me dites, hein, des fois, si les textes comme ça, vous voulez que je le lise. Donc sa mère était vampire? Décidément. Oh, peut-être un truc va m'aider à guérir la névralgie dans ce bordel. Je veux dire comment il tombe. Oh putain. Genre c'est la taille des enfants d'Aragog dans Harry Potter. Très belle citation. Je cours pas pour pas me faire cramer, parce qu'une fois j'ai eu un bug dans un donjon. J'ai eu tous les mobs qui sont venus m'agresser et c'est pas simple. Par contre il est vraiment immense ce théâtre. C'est du vomi par terre. Ouais, j'espère que c'est du vomi. Putain, je suis comme un fraudeur là. Prends ça. Rush, avant qu'elle se réveille. Boum. Oh putain, oh, c'était sa femme ou quoi? Elle a Leroy. Exactement, Gyuk. Mais genre, ça venait de partout. Mais... C'est maintenant ils vont tous être Peter Farceur. Non, je vais mourir, j'ai rien pour me... Ah si. Oh punaise. Je vais quand même mourir. Mais regarde-moi ça, c'est quoi ce... Moi j'ai pas d'attaque acide comme ça. Attends, je remonte. Elle est là, mais je regarde juste s'il n'y a pas du loot. Mais là, elle m'a pas vu, genre. Bon, ok. Je peux passer par là, mais dans ce cas... Mais il y a trop de chemin! C'est vrai, il y a un côté Bioshock maintenant que tu le dis. C'est la même époque. C'est l'époque Gatsby le Magnifique. Ok, donc en gros, c'est la sortie. Ça, j'imagine, c'est après le boss que je pourrais ouvrir. Oh, je vois ce que tu veux dire. C'est j'ai fait une ex... attends... C'est comme la série Perry Mason, j'ai fait un top 10 dessus. Perry Mason, c'est un détective pendant la même époque, si ça vous intéresse. Sarah, tu devrais regarder en plus, parce qu'il cherche sur les infidélités, genre d'histoire. Les histoires de filles adoptives et tout, ils connaissent dedans. Ah, combat contre le boss. Elle est bossue? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Bioshock, oui, c'était solo. Gatsby, non? But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh. Non, non, mais elle cache son bras. C'est quoi? Elle a un super bras, une bosse? But I can help you. I'm a doctor.
Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her. C'est sympa l'épée, j'aurais bien aimé l'avoir. Un petit cimetière là. Mes esclaves. Merde, elle est pas toute seule. Oh, mon pouvoir ne marche pas sur elle. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh non, en plus ils vomissent. C'est pas possible. Touché, sœur. Elle m'a fait rire avec son toucher. Ah ouais, donc à chaque fois il y aura des gus qui vont venir. Wouah, je perds la moitié de ma vie avec un coup. Oh là 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 là, je vais galérer. Touché, sœur. C'est typiquement anglais d'utiliser des termes français comme ça. Je pense que... les francophones utilisent aussi beaucoup de mots anglais, Splash. Ah non, mais il y a 10 levels de différence. Je peux partir et gagner un level au moins. Mais je vais voir. Je vais voir s'il y a moyen de moyenner, comme on dit. Ah, je me suis quand même mangé le coup. Tiens, elle a pas appelé ses esclaves cette fois ? Un tiers de sa vie. Elle va faire un truc là. Oh putain, oh le paix. D'accord. Donc quand elle commence à raconter sa vie. Merde, merde. Elle a donc un super bras. Et le vomi m'a fait mal. Oh le bras dégueulasse. Qu'est-ce que... Non mais là j'aurais dû brûler le théâtre au lieu de me... Okay. Par contre je crois que je suis dans la merde. Là, le rendez-vous galant, mon frère, avec le bras qui est là. Il devait avoir faim, l'autre, hein, celui qui a trompé sa femme. En plus, vu la caisse qu'elle lâche, enfin bref. C'est quoi ce bras? Je sais pas. Normalement, c'est un jeu de vampire, mais là, c'est Resident Evil, le truc. Par contre, je pense pas que j'ai le level. Y'a pas un rat pas loin? C'est un mélange de Luffy de Titan Colossal. Si seulement c'est que ça, ça. Si seulement. Oh non, mais c'est... Oh non. J'ai pas tué ton père, qu'est-ce que tu racontes? Ok, elle fait 3 coups. 1. Ok. 1. 2. Et ensuite elle fait un troisième, voilà. On se régène, ensuite elle va lâcher une caisse, elle va sortir son bras. On se casse. Voilà. Et que je pète. Voilà. Ça lâche une caisse. Il faut que je régène mon endurance. Mais l'autre, il... qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Hop, on se régène. Voilà, toi, tu vas me redonner du sang. Oh, bah, super. Au moins, j'évite les coups comme ça. Non, non, elle a fait du bruit. Tu lâches une caisse ou non? Oh non, c'était pas prévu ça. Non, 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 non. Je vais mourir. En plus, ah, son pays reste.
Ok, hop. Tu le bosses. Dommage, j'aurais pu le faire. Et je suis mort à cause du P. Ok, je peux le faire. Mais c'est encore une fois là, le verrouillage. Sarah, tu trouves pas, tu manques pas de respect à Luffy ? Non, c'est le souffle. Splash, est-ce que tu connais les... Non, c'était pas les Miséroïdes. Splash, c'est les Inconnus, ils ont fait des sketchs, et ils ont repris genre les Misérables, ils ont fait les Miséroïdes. Et... Merde, c'est avec Madame de machin, là. Oh. Splash, c'est une reprise des Inconnus. Mais je sais plus. Bon, en gros, ils sortent une expression comme toi, avec Madame de Merteuil. Ça va me revenir. Les liaisons dangereuses ? Non. Non, elle va lâcher une caisse déjà ? Ah merde, je suis en plein dedans. Non, non, pas Madame Thénardier. Non, non, ça n'a rien à voir avec les Misérables, mais ça ressemble. Je retrouve. Si je retrouve la vidéo, je la mettrai sur Discord. Oh mon dieu ! Je suis mort. Wesh, elle m'agraille. Attends, mais je peux pas quitter la scène, non ? Ah si, ok, je suis le sida m'a tué, je pense. Oui, non, mais j'ai repensé au sketch. Non, de... Flash, je te jure, j'ai envie de te téléporter dans le jeu et elle te pète dessus. J'espère elle te chope avec son bras à travers l'écran et... Comme ça, tu seras ni rouge ni bleu, tu seras jaune. Nouvelle mort débloquée après la noyade. Non, le problème, c'est qu'il manque beaucoup de level. Mais en même temps, c'est ce qui donne de la difficulté à jeu, je dirais. Your blood will be mine. En garde. En garde. Voilà, on s'éloigne, elle va lâcher une caisse. Non, elle lâche pas de caisse cette fois. Je comprends plus rien. Bah c'est malin sinon. Non, elle va lâcher une caisse. Et là elle sort son bras. T'es jeune maintenant? C'est raciste ça. Ok, donc le bras s'il m'attrape, je suis grave dans la merde par contre. J'ai besoin de sang, toi viens. Non, non, va croquer lui. Oh, c'est nouveau ça. Oh punaise. Je vais clamser. Hein. Ma seule chance c'est de bouffer un dégus comme ça. Oh non, non, de Dieu. Mes amis, j'espère que vous avez prévu du coca. Hein. Est-ce que je sors XP un peu? Ou est-ce que je teste? Parce que tout à l'heure, j'avais fait... Franchement, il lui mettait un coup, il avait gagné. Pire, je sors, je prends un level. Je m'achète quoi avec le level? Attends, je vais retester une dernière, mais après je vais faire un peu d'XP. Voilà. On reprend de l'endurance. 1, 2 et 3. Voilà, on joue safe. On met 3 coups max, pas 4. Your hand is shaking.
Non, désolé, je peux croquer. On s'éloigne d'elle. Elle pète. Lâche ta caisse. Elle sort le bras. Elle appelle ses frères. Non, non, croque la femme, croque la femme, croque la femme, voilà. C'est bien. Non, c'est pas bien. Dans 20 secondes, t'as l'ulti. Elle appelle d'autres gosses. Voilà, super, ça me permet d'esquiver les coups. Cinq secondes et tu lui mets la sauce. Merde, il y a un peu autour d'elle. Non, non, il faut que tu te régènes, il faut que tu te régènes. Elle va péter. Non, elle pète pas. Oh, je l'ai tué. Oh, j'ai gagné le sabre. Oh, la sale gueule. Oh non, elle me supplie. Ah, mais t'as tué plein de gens. Ah, quoi? On va l'épargner? Attends, on peut soigner ça, genre? Non. Non, non, je veux pas choper de MST, ma petite dame. Merci, Splash. Mon cœur glacé ne va que pour une seule femme. Oh, rajoute ça en citation, Splash. Oh, c'est beau, ça. Comme je l'ai déjà. C'est vraiment une actrice de théâtre. Quoi, je vais la tuer ? But I realize now the threat you embody must be stopped. Elle va se brûler ou elle va s'enfuir. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one. Elle va essayer de me tuer. Ah non. Elle aurait pu... J'aurais pu la tuer, non? Là, c'est pire que Drama Queen. Mais pourquoi elle s'est infligée ça? J'aurais pu la tuer. Oh, la mort... Ah! C'est qui, ça? McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the... Oh non. Oh non. En plus, je me suis même pas régène, bande de chiens. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. Bien vu, Sora. Une sortie enflammée. I should probably leave the theater right now. Ouais, bah oui, bonne déduction, Sherlock. Est-ce que je change... On va se régénérer un peu. It's locked, all right. Bah voyons. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Escalon's protection. Continue my research during the Great Hunt. Je me rappelle pas être allé là. Bientôt, je remonterai sur scène. Oh non, elle voulait infecter le public. Oh mon dieu, elle aurait infecté tellement de gens. Mais écoute, on s'enfuit. Hein. Plus j'ai 3000 points d'XP à utiliser, frérot.
Ah non, non, mais une vraie drama queen. Doris Fletcher, oui. Ah mais là ils sont venus me chercher dans le ciné, ils ont vu que j'étais pas vacciné, ils ont fait non. Pas de ça ici. These people want me dead. I need to leave now. Déjà il faudra aller rompiche, mais où? Oh, s'échapper du thème, d'accord, donc il va se passer un truc. Ah ouais non, ils ont demandé le pass, mon perso il a fait non. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Non mais je veux pas faire un rapport. Ah, je dois attendre. Ok, merci. Putain, est-ce qu'il faut pas faire pour voir la map? Ouais, donc non, j'ai plus de chances d'aller au refuge. Il faut que j'aille au refuge. Alors j'aime bien parce que moi il m'entend, mais la vieille là qui arrête pas de faire comme ça là, il entend pas. Ok. Pour aller au refuge, je dois aller où alors? Non, je me trompe de chemin. J'aurais dû aller par là. Ah, je suis perdu. Ce jeu, quand je vais faire un article, je vous jure, je vais me plaindre d'un truc, ce sera le... de minimap. C'est quoi ça? Ça c'est un emmerde. Et ma maison elle est où? Elle est derrière. Un seul emmerdeur? Oh mon dieu, d'où il pop lui? Allez viens. Merde, il a ses cousins aussi. Alors elle va vomir. C'est pas... Allez, aide quelqu'un. Ok, je vais aller aider quelqu'un après. Si si, j'ai récupéré le sabre et j'ai un fusil à pompe de malade aussi. Mais j'ai pas osé les utiliser parce que je me disais, imagine je meurs. Oh merde, oui c'est vrai, maintenant c'est des kamikazes. Vous avez perdu l'esprit, que me voulez-vous? Mais qui parle? Qui se fait agresser? Lui? Non, bah c'est le mec que j'ai tué, non? Bon, bizarre, j'entends des voix. Y'a quelqu'un? Attends, ça se trouve. Attends. Elle est où? Je suis inquiet pour Mr. Reed, Monsieur Jonathan, parfois elle sort toute seule. Ok, la daronne elle va bien. Blabli, blablou. Ouais, t'es en bonne santé, c'est cool. Voilà, dors bien maman. Alors attendez, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Ah, le sang je l'ai déjà. J'ai pas assez, d'accord. Alors j'ai vu que j'ai le sabre. Je peux diminuer, absorbe des points de sang lorsque l'arme touche sa cible. Ça peut me faire tellement de sang, ça. Ça peut être pas mal du tout, ça. Beaucoup de sang en plus. Et ou sinon, j'augmente le DPS. Ouais, donc ça me ferait 7,5 points de sang, quoi.
Non, ça me ferait 5. Au pire, augmente le DPS de 10. Augmente le même de 20, c'est quoi? Et fais-toi du sang. Et le fusil, c'est quoi? Donc les dégâts, réduit le temps de chargement. Ouais, le temps de chargement, c'est ultra chiant. On va faire ça. Change les dégâts infligés en dégâts chimiques. Redoutable face aux humains, redoutable face aux bêtes et aux vampires. Augmente les dégâts tout court. Parce que j'en aurais besoin contre les deux. Et maintenant, on les équipe. Comme ça, je testerai au prochain fight. Enfin, je testerai après, vous inquiétez pas. Là, j'ai 3000 points. Je vais en faire un. Je vais augmenter mon ulti vu que je peux pas. Chaque fois, ça me demande 3000. Voilà. Ça fera un peu plus de dégâts. Comme ça, à l'avenir, ça va faire beaucoup plus de dégâts. Voilà, 400 points, j'ai rien qui coûte 400 points. Ah si, augmente ma capacité. Ouais, non, non, c'est vrai que je peux pas stack beaucoup de sang, let's go. Voilà. Et on rompiche. Ce jeu, c'est le jeu du rompiche. Ah merde, ma mère est malade! Wow, ça grave baissé, quand ça, événement majeur dans le quartier? À l'aide, quelqu'un, j'entends encore ça, et il faut que je fouille la maison. Un sabre, un fusil à pompe. Let's go. On va explorer le quartier. Déjà, on va aller soigner ma main. La fatigue. Ah, c'est les conneries avec son fils qui sort que la nuit. Tu m'étonnes, ça doit la fatiguer. C'est-à-dire que tu peux infecter ta propre mère, c'est dégueulasse ça quand même. Qui serait le bip qui ferait ça? Ah, bien vu. Eh, par contre, vous voulez que je vous fasse remarquer un truc de malade mental? Vous avez vu la maison où elle est? Et genre, Jonathan Reed, si vous préférez, il a jamais rencontré le club Ascalon qui est là. Alors, je veux bien qu'on connaît pas forcément ses voisins, mais genre, je sais pas. Bizarre, non? C'est-à-dire, il habitait à, je sais pas, quoi, 100 mètres? Oh non, ici ils veulent pas faire le ménage. On va faire le rapport au patron. Ah tiens, elle est là. Elle fait le journaliste. I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed with. Ouais, parce qu'ils veulent pas de femme ici. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile. And the same to you, Jonathan Reed. Le mec à droite, il est en train de tout écouter. Là. I can see he's practically bursting to hear your report. Ça fait peur. À un moment, on dirait qu'il a regardé la caméra. Lord Redgrave can play with the brave all he wants, but I won't put a foot outside. Oh la chouchoute, il a dit oui, moi je sortirai pas dehors tant qu'il y a Priwen. Ah non, je peux charmer les vampires. D'accord. You Redgrave, là. C'est toi? Non, c'est toi. Welcome back to the Ascalon Club, Lancebearer. Please tell us the good news.
Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. Je dois manger un être humain? I want you to recruit a new vampire. Oh. Recruit a new vampire. Ah merde, je dois choisir moi-même. Bonus aura. Sora, n'hésite pas à faire appel à moi et à Vampire si t'as besoin que je fasse taire tes voisins. Je ne peux pas faire ça. Je peux pas transformer Camille. Mais je présume que j'ai pas le choix. Non. C'est juste... I'm not sure I'm ready to have another progeny after what happened with my sister. The rebirth of Aloysius Dawson is a necessary step in our campaign to ensure the safety of London. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for... Ah, il faut que je transforme l'autre en vampire. Le riche, oui. L'homme le plus riche de Londres. I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Ça fout de la merde, ça. Before I go... All right. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong... You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. La femme, c'est à la cousine. No. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then. Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. How would you like me to... Don't worry. So shall I just... Yes. Aloysius will gratefully sup. Ouais, donc il faut en fait, il faut qu'il boit mon sang. Ouais, c'est super simple de devenir vampire en vrai. Putain. D'ailleurs, demain, l'un des chasseurs de Priwen, il veut devenir vampire, il boit, bim. Pour se rendre à l'entrée de Temple Church. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson. To make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare. Est-ce que je peux le tuer? Oh, attends, c'est quoi tes découvertes? What I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found. C'est pas le bon endroit d'en parler, je crois. Is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Please tell me. As long as. Are you sure you're in? That's a lie. Lord. Why so vindictive? Forgive me, Jonathan. I hate myself for it. La joie féroce, hein. D'être d'une lignée supérieure. I'm afraid I. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. C'est-à-dire, moi, je suis peut-être le descendant de... Enfin, c'est peut-être William Machin Chouette qui m'a mordu. Non, c'est-à-dire, il peut pas faire de nouveaux icônes, et c'est pour ça qu'il nous demande à nous.
Je comprends mieux pourquoi ils ont de moins en moins de vampires en fait. Parce que comme c'est un secret, vu qu'il se fait passer pour le plus noble d'entre eux, s'il peut faire que d'escale, ça sert à rien quoi. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal. Ouais, un mec super riche en plus. Maybe I could teach him control like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way. Sarah. I'm sure he has spent decades dreaming of. Ouais, non. Je suis d'accord avec toi. Comment je vais foutre? Goodbye, my dear. Merci pour les conseils. Comment je vais faire, moi? Je le tue, je suis dans la merde. Je le transforme pas, je suis dans la merde. Je le transforme, je suis dans la merde. Il y a 30 jours dans une semaine. Sinbad, The New Galilee. Je ne sais pas comment rentrer en contact avec un autre humain, je compatis. Zoé, Sarah, des fois il faut. Quand vous enchaînez vite, Streamlabs et tout, il faut relancer la demande. La taille d'un objet magique ne révèle rien de sa puissance, Rose. Je vous honque, ourage, allez vous faire visiter le soupirail fécal en restrice qui souhaite de bonnes vacances à Splash. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Good evening, Doctor. Bah, c'est toi-même qui l'a rajouté, Splash, hein, pas moi. Do you know anything about? He used to be a big spender. Oui, trop domestique pour acheter. He sent three houseboys to buy all the balook. I see. I really can't say. The man is filthy rich, but you know that. Ta. Achille, t'entends tant bien que mal de remplacer Shanna et de surpasser Station 16 et 102. Do you need me? You would say. Don't. I can. Goodbye, man. Ok, faut pas que j'oublie que je suis en mode combat. La maquette, elle est dans la zone où je suis pas encore allé en haut. Intéressant, j'aurais tout fait. Tiens, un cache-cache, combien de coordonnées? Tiens, un safe park. L'oppositoire, il est enfin légalisé. Non, j'ai jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. Sarah, pas moi. Je suis jamais allé par là. Ouais, non, mais je vais faire un détour de malade aussi. Ah, si, tu l'as dit. Alors, Splash, tu te rappelles pas de ce que. Alors, Splash, il se souvient de ce qui est dit fin décembre. Par contre, le truc qui a été dit en. Attends, le truc en Grèce, c'est quand? Le truc en Grèce, c'était la même époque, il s'en souvient pas. Non. J'aime pas les œufs. J'aime pas les œufs. On va pouvoir essayer les nouvelles armes. Un coup de chlasse, il est où le pompe là? Voilà. Par contre, tchic, tchac, ah ouais, ça va prendre du temps. Ah oui. Tu notes quoi? Qui laisse l'oseille comme ça? Il a fait quoi lui? Il a fait un bisou au sol? Oh non, j'ai attaqué le mauvais. Ah non. Le problème c'est que je peux plus absorber le sang en fait avec ces armes là. C'est vrai que l'épée elle me rend du sang ce qui me permet de me régénérer, mais bon. Tu notes quoi? En fait Sarah, on a appris que Sin avait au moins deux frères. Ah bon? T'as appris ça où? Oh le menteur. Splash. Il ment, le splash noodle du vendredi soir.
Inspecteur Splash. Non, non, Splash, c'est un fouilleur, genre. Un coup, t'as parlé de ton petit frère et... J'ai pas de grand frère, c'est moi l'aîné, père du Splash. Alors là, loose. Là, si tu veux vraiment apprendre un truc, je te jure que c'est moi l'aîné. T'as dû mal comprendre ou mal entendre. Game over. Oh, c'est une grand frère. Non, je suis pas Pascal le grand frère après. J'ai du mal à comprendre, oui. I cannot enter. Bah voyons. Find another way to get into. Et je dois repartir là où j'étais. Olsin. Trouver l'ancien secret du quartier. Mais j'aime bien parce que tu sais, je suis un vampire, j'ai des pouvoirs de dingue. Au lieu de sauter par-dessus le portail. Ah, j'espère aussi, Sarah, j'espère. Aubrey Reed. Mais attends, c'est ma mère? John. Pourquoi la lettre de ma mère, elle est là? Je pensais que vous deviendrez des gens bien, bah... Ça dépend. Ah non, c'est mon père. Mon père, il s'appelle Aubrey. I had almost forgotten I applied for a position at Pembroke. It was so long ago. Dans tous les cas, il est pas comme moi avec ma sœur. Ah, c'est vrai, je pensais que tu t'entendais bien avec ta sœur. Bon, vous faisiez des blagues un peu genre tu l'appelles Gollum, mais je pensais que ça allait. C'est en 2023. Et au fait, si c'est pas indiscret, avec maman Splash là, ça se passe mieux pour le mariage de ta sœur ou non? Ah, ça sent, je vais me faire agresser. Je sais pas où il a vu le passage secret lui. Oh, level 30. Oh, il a rien perdu en vie. C'est quoi ça? Regardez comment il se déplace. C'est Lord Redgrave ou quoi? Oh, carrément, il a invoqué un clone. Punaise, c'est quoi ce vampire du diable? C'est un démon vampire. Ah mais là, c'est un mec de Charmed. C'est-à-dire de Shift. Aucune idée, pour le moment, c'est pas d'actualité. J'espère que ça s'arrangera, Splash, pour ta mère, pour ta sœur et pour toi. Non, mais tout est décalé, en effet, avec le Covid, en plus. Bon, j'espère en 2023, en tout cas, ils auront plus de soucis avec le Covid et ce genre d'histoire. Oh non, un petit donjon dans les égouts. Ouais, non, surtout si tu veux inviter toute la famille, puis je sais pas quoi, puis blablabli. Non, non, j'espère d'ici là, il n'y aura plus de Covid. Et qui sait, d'ici là, j'aurai encore plus d'argent grâce aux abonnés. Tin. Qui sait, Splash, je serai aux Z-Event, comme t'as dit dans la citation, je sais plus combien. Le plus chiant, c'est que je vais devoir me mettre au sport pour entrer dans mon costume de témoin. En vrai, tu peux en acheter un autre hein, d'ici là. Droite ou tout droit? Oh non, jusqu'en 2023, il peut s'en passer des choses, Splash. Commence maintenant, doucement, grave. C'est ce que tu fais chaque soir. Chaque soir, dès que je stream, tu fais 10 pompes. Début de stream, 10 pompes. Quand tu fais, hey, comment ça va? 10 pompes. T'inquiète, que 10, hein, pas 32, hein, mais...
locked, all right. C'est quoi ça? Pourquoi je me bats contre Léon Augustin là? Non, je vais me manger le coup. Oh non, j'ai plus de munitions. Et en plus, je peux pas casser sa défense avec l'épée. Bon, l'épée, au moins, je récupère du sang avec, mais... Mais c'est pas la batte, quoi. Ouf. J'ai pas compris pourquoi il m'embrouille. Allez, let's go, dit pompe. Bon, fin de stream, hein, comme tu le sens, ce qui t'arrange. Ouais, non, l'épée n'est pas si bien que ça, finalement, parce que je peux pas faire le truc, et surtout, j'avais pas de munitions avec le fusil à pompe. On va le réessayer avec la batte. Non, je pense que l'épée est bien, mais il faudrait que j'ajoute avec une autre arme qui me permet de d'enlever la défense adverse, comme ça je peux me régénérer en mordant et tout. Je sais pas si j'ai été compréhensible. Sarah, si Splash il fait 10 pompes, toi tu vas faire quoi? Après, c'est vrai que j'ai pas trop investi dans les autres skills maintenant que j'y pense. This is despicable. Moi, je mange. Toi, c'est 10 chips au début de chaque stream? Oui, 10 chips. On va essayer avec la batte, mais je pense pas que je vais y arriver. Mais pourquoi? Il dit que personne ne peut se cacher d'Ascalon, mais je suis avec eux maintenant. C'est dommage, il n'y a pas ça comme invention. Tu sais, tu peux prendre le poids en plus de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça qui me manque. Oh putain. Docteur Jekyll, là, il me met la misère. Ah, Sarah, genre ils t'ont proposé un échange de bidou comme ça. Bah, les amis, je pense qu'on va aller faire quelques quêtes, hein, quelques quêtes normales, hein, demi-tour. On va terminer par quelques quêtes normales, je pense. Je vais m'arrêter dans 15, une demi-heure, un truc comme ça. Bon, j'espère demain vous êtes chaud pour Rogue Galaxy. Hey, j'y pense, on n'entend plus Gyu qui doit être sur Lost Ark, cet escroc. Dans 15 minutes. Pourquoi dans 15 minutes, Sarah? Six articles, d'accord. Thank you.
J'ai dit 15 minutes. Ah bon, j'ai pas dit entre 15 et 30 minutes. Oh merde, encore lui. Oh le cri qu'il a fait. Attends, il s'est téléporté? Oh les téléportations de zinzin. Merci. Non, voilà. Bon, Lord Redgrave du dimanche, tu meurs. Allez, on a une quête par là et on va tuer tout ce qu'on rencontre. Enfin, sauf les gentils, bien sûr. Bonjour. Alors j'ai la croque dans le vomi, donc je vais mourir, je crois. Ah merde, j'ai oublié qu'elle flash. Oh non, le paix m'a tué. Splash, ça marche le truc des 10 pompes, tu veux que je te le rappelle à chaque fois? Ou au contraire, ça va stresser si je te le rappelle. Faut quoi que le pète m'a tué? Oh non, Sarah. Yo, je sais pas ce qui se passe. Non mais attends, voilà, toi aussi tu mets des trucs bizarres. Sinbad abattu par l'odeur. Aujourd'hui les gens ils s'en souviennent, mais dans 2 mois ça dira: ah, Sinbad il s'est pété dessus et c'était l'odeur de son propre paix. Et se trouve. Là bizarrement tu mets pas tout le contexte. Voilà, Sinbad sel. Non, en vrai Splash, le problème c'est... Enfin je... C'est pas la quantité, mais c'est la régularité. Si en vrai tu viens chaque soir et chaque soir tu fais 10 pompes, je t'assure d'ici 2023 il va y en avoir du changement. C'est-à-dire, les gens vont croire que c'est son paix, j'en peux plus. Mais oui, mais voilà! On est où là? C'est pas, je vais t'agresser comme ça dans la rue à cause de ça. Genre, tu vas aller faire tes pompes et j'ai pas pété sur moi! Let's go Splash, ça se trouve c'est ça qui va me faire percer. Je vais devenir le stream fitness. Tout le monde va venir pour faire ses 10 pompes journalières là. Aussi je demanderai aux gens d'envoyer un TikTok qui le prouve. Oh, toi t'es mort de rire, mais moi dans 2 mois vous allez me faire chier, vous êtes là: eh bah Simon il a pété sur lui. Non, je rigole. Mais voilà, alors là la voix que j'ai fait et tout c'est mort. Il y a soit toi, soit Sarah qui va rigoler. C'est comme le truc avec les œufs avec le oppositoire. Splash, je te jure, je pleure. Stopless, Splash. Mets ça en citation et mets précise qu'elle voulait dire qu'elle pleure. Mais c'est pleure, tu sais c'est quoi ou non? Ah, je vais mourir. Même moi, je rigole fort là. Ah, rigolez de mes malheurs, Alice. Le pire, c'est que vous rigolez, mais dans 2 mois, vous allez oublier, vous allez dire: ah, mais il a pété sur lui. Splash Muskin, à chaque fois il doit rajouter des citations. Promis Splash, quand ce sera agrandi, je trouverai d'autres épées.
chrétienne qui donne souffrir, c'est plus. Mais non, je suis bête, parce que maintenant, quand ils vont voir la citation 176, ils vont regarder à 175, ils vont penser qu'elle rigolait, parce que genre, je me suis pété dessus, en mode. En fait, ce qui m'a achevé, c'est la... c'est ma réaction. Ouais, non, mais je savais, Sarah. Sur ça, je disais, il y a l'un de vous deux qui allait rigoler. Putain, j'ai de la route. Parce que Sarah, c'est comme les ovopositoires, après ça veut dire, ah bah tu vois, t'avais dit ça. Bah, c'est bien Sarah. Sarah... Ouais, mais non, non, parce que toi tu vas faire un clip où les gens ils vont vraiment penser que j'ai pété. Si tu fais. Sarah, si ça t'a fait. Justement, tu pourras le mettre dans. Dans tu sais, le message des gens là que je prends là pour le top 10 des raisons de regarder le Daily Moogle sur, sur Twitch. C'est humain, t'inquiète. Mais non, mais. Oh les. Oh les escrocs, oh non, c'est du... Là c'est vous deux les imposteurs sur Among Us. Oh là là, oh là là, oh le double kill. Là vous m'avez tué mais à deux genre. Voilà, après c'est... Là je vois mon corps qui dérive dans l'espace, là. Simba is not an imposteur. Battez contre où là? Démerdez. J'aime bien, état du quartier satisfaisant. Et en face de moi, il y a ça. Non, mais en vrai, si, on ferait pas ça, tu t'endures. Non, non, je rigole, t'inquiète. Tu sais, je suis. Je suis faussement énervé, on va dire ça comme ça. Non, vous m'avez jamais vu énervé ici. Je crois que je vais mourir. Mais attends, mais y a des bastons dans toutes les rues ou quoi là? Bien t'entendre énerver juste une fois. Oh, c'est pas cool ça, Sarah. En vrai, je suis pas sûr de vouloir te voir énerver non plus. Pourquoi? Mais non, vous t'inquiète, c'est pas vous deux qui allez m'énerver, loin de là. Non, vous me verrez jamais énervé. Mais j'espère que quand je te dis je te noie et tout, tu comprends que je rigole. Non, non. Non, franchement, moi, tu sais... Qu'est-ce qu'il... Il a balancé une grenade? Non, je suis quelqu'un de chill, t'inquiète. Le jour où tu me verras énervé, si, peut-être, un jour... Eh, l'autre jour, j'ai banni le mec, là. Splash, t'étais pas là, t'es allé dormir, j'ai eu mon premier bannissement. Bah, bien sûr, je voulais retourner du mal à l'œil. Non, Splash, dis pas ça. Mais genre, j'ai eu mon premier bannissement l'autre jour, j'avais un mec, je crois, Sarah, t'étais là, non? Il y a un mec, il est venu, il a dit, ouais, si vous voulez acheter des primogèmes, je sais pas quoi. Oh, cette baston de barre, là. Ouais, j'ai ban quelqu'un. Non, je l'ai... Mais c'était quelqu'un que je connais pas. Il s'appelait Roberto et tout. Je sais pas si c'était une personne ou un mob ou un bot. Mais genre, il est venu normal, ouais, acheter primogem, blablabla, je l'ai ban. Et je crois que c'est Gyuk qui m'a dit comment on ban, parce que je savais même pas comment on ban. Ouais, acheter des viewers, ce chien, oui, voilà. Mais il a dit des primogem aussi. Sarah lui a dit non merci. Oh non, j'ai ban direct. Mais c'était mon premier ban, j'avais même pas. Genre, il faut faire slash ban
pseudo. C'est quoi Swiss City encore, t'sais? Tu me verras énervé, c'est peut-être si quelqu'un genre me manque vraiment de respect ou un truc comme ça, et même là je pense que je m'énerverai pas trop parce que ça. Au contraire, on se marre bien ici, parce que d'après ce que j'ai compris, il parle et. J'essaie pas de me lancer des lauriers. Yep, t'as le ban pour le. Ah bah moi j'ai fait le permanent, j'ai pas fait le time out, j'ai vu que c'était un Wistiti. Mais il paraît, ouais, non, t'as des streamers, ils sont grave fainéants et tout quand tu rigoles avec eux et des choses comme ça. Mal de tête. Ça, c'est moi, je vais avoir le mal de tête là, en le justifiant pour un pec que j'ai pas fait. Ah, j'ai rien pour le mal de tête. Attends, je vais aller voir si je peux pas te craft un truc. Le quart d'heure, il termine dans 5 minutes. Tu me laisses terminer à minuit ou non? Ah, super. Non, pas super. Bon, c'est un truc qui me régène. Mais j'utilise jamais en fait ça. Bah attends, permanganate, ouais, parce que ça utilise les mêmes trucs que pour soigner les gens. Mal de tête. J'ai rien pour le mal de tête? Ah genre, j'ai pas débloqué l'ami. Ah non, ok. Ça a coupé, tu veux finir mi? Ouais, c'est ça que je demandais, pardon. Ça a coupé aussi avant ou non? Non, il faut pas que je dors, il faut pas que je dors. Je vais avoir un mal de tête, oh, putain. Heureusement, il n'y a pas la cam. Oh, les escrocs. Oh là 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 là. Oh. Là là là, tu vas voir, après le stream, je vais devoir faire tellement de modifications sur Streamlabs. Je vais devoir arranger plein de citations. Ah, elle était là, la troisième lettre? Attends, je suis tombé dessus au pif. Mon très cher fils, c'est ma dernière lettre. Vous voulez que je la lise? Mon très cher fils, ceci est ma dernière lettre pour toi et j'ai choisi de la cacher au Pembroke Hospital. Mais pourquoi? Il aurait pu me la donner, non? Non, dommage, il n'y a pas la cam. Te souviens-tu de la déception que tu as ressentie lorsque ta candidature a été rejetée? Blablabli. Ouais, là, je suis à Paris. Alors, je sais pas parce que je t'avais. En vrai, ça va. Corrige la citation. À étudier, mais j'aime bien parce qu'il a mis ça quand j'étais en guerre, quand j'étais en France plutôt, et je travaillais même pas dans cet hôpital, c'était même pas sûr que j'ai. Ah, Libyen, ok. Mon très cher fils, ceci est ma dernière lettre pour toi, et j'ai choisi de la cacher au Pembroke Hospital. Te souviens-tu de la déception que tu as ressentie lorsque ta candidature a été rejetée? Je ne t'avais jamais vu dans un état pareil. Tu n'as pas dit un mot pendant plusieurs jours. C'est la toute première fois que j'ai réalisé que tu avais une part d'ombre, mon fils. Pierre noire enfoncée dans ton cœur, invisible aux gens autour de toi, cette ombre. Ce paix, je l'ai parfois vu chez ta sœur également. J'ai eu peur pour vous deux, car je savais parfaitement ce que c'était de ressentir cette humeur ténébreuse. C'est le côté obscur des raids. Reed, ouais, j'ai jamais su comment ça se prononce. La raison pour laquelle je dois partir maintenant, que je me sais condamné, je suis malade, mon fils. J'ai le Dida. Le diagnostic est irrévocable et je ne serai bientôt plus de ce monde. Je refuse d'être vu ainsi par ceux que j'aime. C'est ma décision et ma faute. Tu es si loin de nous maintenant, à Paris, auprès du docteur Carrel, à apprendre comment faire des transfusions pour sauver des vies, pensant déjà à des moyens d'améliorer ces méthodes que tu as contribué à créer. Je suis fier de toi, mon fils, mais même toi, tu ne peux pas me sauver. Je ne serai pas au Red, le banquier mourant, incapable de quitter son lit, entouré de ses amis et de sa famille. Je le refuse. C'est la raison pour laquelle je vais partir de la même manière que tu nous as quittés pour devenir le grand chirurgien que tu es destiné à être. Le grand chirurgien que je ne veux surtout pas voir au-dessus de moi en me regardant, sachant que la fin est proche. Continue à étudier mon fils, deviens celui que tu veux devenir et surtout fais-le pour toi et non pas pour ton père qui t'aime. Je sais pas s'il s'est suicidé ou non en fait, ou s'il est parti ailleurs. J'ai pris toutes les mesures nécessaires pour vous protéger tous les trois de tous les dangers à venir. Je veux que tu te souviennes de moi tel que j'étais et non pas tel que je m'apprête à devenir.
Je m'en vais car je vous aime tous, mes chers trésors. Je m'en vais car cela. Car j'ai moi aussi cette part d'ombre que j'ai cachée à tout le monde aussi longtemps que je le pouvais. Dans quelques jours, je me rendrai là où je me tenais lorsque tu es parti pour la France. C'est là que je laisserai un dernier cadeau pour toi. Merde. Puis je disparaîtrai, nous nous reverrons plus jamais. Adieu Jonathan, je te souhaite d'être aussi heureux que j'ai été durant toutes ces années. Embrasse Marie, ma chère Emeline, ma mère quoi, de ma part. Prends soin d'elle. Ah bah là c'est un peu compliqué pour Marie. Adieu mon enfant adoré, ton père aimant est dévoué pour l'éternité au Brered. Southwark. My departure for France as a promising student. My return as a brilliant surgeon. About to be killed. Attendez. On va faire ça finalement. On va arrêter le stream sur cette quête. Je vais aller au sud. Ah, attendez, elle est où la quête avec le daron? Ah, ouvrir le coffre de votre père. D'accord. Je repars en arrière finalement. Il semblerait qu'il y ait un truc dans le coffre, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a mis. Non, en gros, il voulait pas que sa famille le voie agoniser. Quelqu'un qui pète une porte quelque part, mais je sais pas où. Ah, c'est encore le mec en dessous, là? C'est pas possible, à chaque fois j'en ai un. Ah, ça régène bien le sens. Je dois aller... Non, ça c'est le club Ascalon. Chez moi, c'est ici. Attends, à moins que le coffre de mon père il soit tout au sud. Non, mais c'est ça que je dois suivre. Donc non, il faut que je fasse demi-tour. Il faut que je repars à l'hôpital. Puis je vais au doc. Ok, on va faire ça. On va faire ça, on va arrêter le stream sur ça, les amis. J'aurais fait une chaîne ASMR, mais je sais pas quoi faire. J'aurais prendre un bouquin et le lire, je pense. J'enlèverai le push to talk, comme ça il y aura pas de bug. Et je lirai un bouquin. En vrai de vrai, je devrais mettre une image. T'as plus rapide que de retourner à l'hôpital? Malheureusement, non. Il faut vraiment que je fasse ça, quoi, ce chemin comme ça, en gros. C'est vrai, parler d'Ocnor, c'est beaucoup plus lent. Je sais que c'est paradoxal, parce que j'ai pas tué les ennemis. Là, au moins, je sais que j'ai pas d'ennemis jusqu'au doc. Putain, je peux pas marcher comme ça. Et après, je remonte, peut-être. Je vous jure, si je peux parler au créateur du jeu, je lui dis mec, il faut que tu rajoutes une minimap. Voilà, et là, j'ai plusieurs combats qui vont m'attendre, les amis. Niveau 24, t'en rigoles plus. Non, le feu, ça fait... Ça aurait fait une bonne citation, ce que j'allais dire, donc je me suis tué. Faut que je récupère l'endurance. Oh, il a pété salement. Ouais, j'avoue, des TP ça aurait été pas mal. Mais je pense que les gens auraient évité les combats et donc ils ont voulu s'assurer que. Mais c'est vrai, j'aurais mis moins de refuge, mais tu peux te TP au refuge. Parce que des fois, laisse tomber. Où j'entends un bébé pleurer, mais je sais jamais où. Ils sont gentils, hein. Ils me laissent terminer mon petit
Ouf, je vais mourir. Non. On avait fait le pouvoir de la Bible, faut que je m'éloigne. Aïe, aïe. T'as pas entendu? Non, Sarah, dis-moi que t'as entendu le bébé qui pleure. C'est une rue, à chaque fois j'entends un petit bibi qui pleure. Et donc de là, je dois aller par là pour aller au sud. J'ai jamais... Il y a un corps qui s'est envolé. Hein. Par contre, je prends grave tarif. En plus, j'ai plus de sang. Allez, hop là. Un petit festin. On a perdu Sarah-chan. C'est pas ça le bébé que j'entendais. Là, vous entendez pas le bébé par-dessus ? Attends, je vais la tuer. Alors, est-ce que toi aussi t'as un hérisson garou qui va apparaître pour me casser les dents? Non, mais c'est pas possible, ils vont tous péter maintenant, ça y est. Ils ont tous appris le paix. Oh non, je vais crever. Non, non, elle va exploser, tu vas mourir. Oh non. Sarah. Oh non, je vais devoir refaire la route et je crois qu'ils sont hip-hop quand je meurs. Pourquoi j'ai... Oh, attends, pourquoi ils m'ont remis sur les meubles? Tu veux que je laisse le truc? C'est pas une mission, c'est vraiment je dois récupérer un objet de mon père, c'est pas une vraie mission, je pense. Pire, je dirais à Sarah de regarder le replay, je pense, mais... Mais c'est vraiment, je suis pas loin. Eh merde. Oh là 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 là. Oh la merde, voilà. Oh le cul-de-sac. Oh le joli cul-de-sac. Ah putain, elle me veut, elle. T'as l'air d'être toute seule maintenant. Sarah! Sarah, sois pas sorry, t'inquiète. C'est quoi ça? Ah, c'est par là, je crois. On va aller à South Park. Ok. Attendez, je vais bouffer un rat ou deux. I have this thirst for blood. C'est quoi ça? Attends, ça veut dire d'habitude j'ai pas un bon accent pour que tu me dises j'ai un bon accent là? Ok, je suis plus très loin les amis, tenez bon.
mais je me souviens du refrain. Et non, vraiment, Londres, c'est trop habité. T'es level combien, toi? 24, let's go. Pas vu son pote? Oh, il a réussi à me toucher. Non, pas la Bible! Tenez bon, je suis pas loin du coffre. Attaque le mec derrière qui est bientôt mort. Mon Dieu. Je suis à 17 mètres. Attends, mon père, c'est un vampire? Non. Je suis en stress par rapport à ce que je vais trouver. C'est ça le coffre de mon père. Je montrais... Attends, j'ai trouvé une grande... Une montre de grande valeur? Quoi? Tout ça pour une montre? Ce jeu me dépasse. Tout ça pour une montre. Ah ouais, non, vraiment, mon perso, c'est une vraie pince. Hein. Starnak. Eh, je suis désolé, je pensais qu'il allait avoir un truc et tout, je sais pas moi. Ça, je crois, c'était au début du jeu quand je me suis enfui. Hein. Oh, je suis mort. Si c'est une Rolex. Attends, attends, ouais, j'avoue, ça se trouve, elle vaut grave cher. On va aller save, je pense. Je pense que peut-être hors stream, mais je sais pas, il faudrait que j'aie le temps. Je farmerai un peu pour augmenter mon level et ce genre de conneries. Ah, par contre, massacrer les gens dans la rue, là, ça m'a donné v'là les trucs, hein, pour les médocs. Là, je vais pouvoir soigner un paquet de monde. Bah, les amis, je vais m'arrêter là. Je vous dirai demain pour Rogue Galaxy. Il faudrait peut-être que je pense à prendre d'autres trucs, tu vois. Qu'est-ce qu'on va up? L'endurance, le sang, la santé, peut-être? Ça serait bien d'augmenter sa santé, non? Voilà, plus de vie. Mais écoutez les amis, comme le perso, je vais rompiche. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Je vous dis à demain pour Rogue Galaxy. Ça va être spécial, je pense. Hein. Je risque de faire beaucoup de fails, et comme d'hab, vous me direz. Et il va falloir que je corrige les citations sur les pegs que vous avez faites. Et j'en vais en profiter pour corriger d'autres citations. Et voilà, et je verrai, je pense que je vais mettre Lost Ark à télécharger, et si je peux le stream, j'essaierai de le stream samedi ou dimanche après-midi. Si ça stream, bah je le ferai dimanche soir au lieu d'Among Us. Et voilà quoi, ça sera déjà pas mal du tout. Donc voilà, soyez de bons plic-plic, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, hasta luego, à la prochaine, ciao ciao. Bye bye.